Nous sommes le 31 décembre 2021, mais vous allez certainement regarder cette vidéo dans, je sais peut-être pas, peut-être un mois ou un mois et demi. On va passer le 31 décembre en famille, sans Andrew qui est parti avec ses copains, normal. Ouh, il y a le cheval. Il y a le cheval qui course Puma. Il y a Enzo qui est derrière moi. Hello. Et donc oui, en famille mais sans Andrew, on va passer le réveillon ici, au camp de Doulan, dans la réserve de Doulan. Je vais essayer demain matin d'essayer de retrouver un des grands mâles, parce que à cette saison il y a beaucoup de fruits près du lac et tous les grands mâles s'approchent du lac, et donc comme il y a peu d'espace entre eux, ils poussent régulièrement des vocalises et ça me facilite en fait le travail pour les trouver. Et là, il y a Pamanto, un des gardes, qui est en train de préparer le bois pour le feu qu'on va faire ce soir, évidemment, parce que la tradition ici, c'est de faire un feu de camp et de faire comme ça cuire le dîner au feu directement. Est allumé, on attend qu'il y ait des braises pour ce soir, et là je vais en pirogue au lac pour essayer d'entendre des orang-outans. Ici, on est dans une forêt inondée, je vous en parle assez rarement. On est toujours dans la réserve d'Oulan. Ici, c'est un écosystème à part entière très différent de tout ce qu'on peut avoir sur les collines où j'encontre régulièrement les orang-outans. Ici, on a plus des nasiques, on a évidemment aussi des crocodiles, même si on les voit rarement. Pour eux, c'est un refuge parfait entre les racines, les branches, les troncs qui poussent directement dans l'eau comme ça. C'est ça ce qui est unique avec la réserve d'Oulan, c'est qu'on a plein d'écosystèmes différents. Tonnerre au loin, et ça peut jouer en ma faveur parce que plusieurs fois j'ai vu des grands mâles orang-outans pousser leur vocalise après le son d'un tonnerre. Et ça arrive souvent en fait dans la forêt, que ce soit le tonnerre ou un arbre qui tombe. Dès qu'il y a un grand bruit dans la forêt, ça les pousse à s'affirmer et à pousser leur longue
leur longue colle, leur longue vocalise, le grand ouh. Rien entendu, l'orage nous arrive dessus. Bon, on verra demain matin. Ce qui est certain, c'est que ça va être un réveillon pluvieux. Il pleut et alors, ça va pas nous empêcher de faire la fête. Manta Manto, l'année garde, a déjà fait une petite rigole pour qu'on ne soit pas embêté par la pluie. Et le poulet est en train de cuire. Quand j'ai fait voler le drone, j'ai refait rentrer le drone dans les box des chevaux et il y avait Pacadi qui était à l'intérieur en train de préparer l'herbe pour les chevaux et d'un seul coup il s'est mis à danser. Donc vous allez voir les images, mais les autres là, les gars, ils les ont pas encore vus, donc je vais leur montrer. Pamanto vient de me dire qu'il a aussi une vidéo de Caddy qui danse. Ada apa Pak Kadi itu? Tahu juga. Donc le réveillon a eu lieu, je suis parti très tôt ce matin, il est 6h30 là du matin, je suis sur un endroit stratégique pour essayer d'écouter si Maurice pousse ses vocalises. Les gars étaient en train encore de se reposer, normal, lendemain de réveillon. Alors est-ce qu'aujourd'hui je vais trouver Maurice ou pas? Ça, c'est une autre histoire et vous le verrez peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Devenez amis, c'est ce dont on a le plus besoin. Et évidemment, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou en devenant VIP de cette chaîne. Merci, à lundi prochain.
j'ai rarement vu une empreinte de panthère nébuleuse aussi grande. Et pourtant, il n'y a plus vers 3 heures du matin. Ça veut dire qu'elle est passée après. Donc ça veut dire qu'elle est passée là peut-être qu'il y a 1 ou 2 heures simplement. Et moi, je vais entrer dans la forêt par là où elle est sortie.